arrive à avoir la technique, au bout d'un moment on a la technique, on pense que ça devra bien. Mais non, c'est autrement, je ne sais pas. C'est ça le truc que j'ai pris. Manu, oui. Va acheter ton jeu de PS3, va. Ah mais... Quelle heure il est? D'entrée, ça m'a tiré en sorcier. Ah, ben on se demande pourquoi. C'est dur de regarder ailleurs quand tu vois pas avec tes lunettes. Tu te concentres sur quelque chose et. Qui reste au camp alors? Sandra, sans doute avec le team. Comment faut que je fasse ça? C'est à la Voltaï de faire ça, c'est pour Druid normalement. C'est à la Voltaï de faire ça, c'est pour Druid normalement. Ouais, c'est des choses sur tout ce qui est. Ah bah oui. On va attacher les vilains romains. On va les attacher les cartes. Ils ont l'enfer de partie alors. Ah bon, hein. Oh, les galons romains, regarde, c'est tout. Son épée est une épée à double tranchant que l'on va utiliser de cette manière-là. Ce n'est pas une épée pour piquer. Alors maintenant, je vais vous présenter le porteur de lance. On peut l'applaudir aussi. C'est ce que j'appellerais un fantassin léger. Vous voyez, ces javelots sont beaucoup plus petits que les lances. Ils ont uniquement des voiles en bois. Qui a lancé ses javelots, il peut continuer le combat, mais avec son couteau. Bah, vous pouvez aller voir. Il est impossible de continuer à sortir le bouclier comme défense. Donc, de fait, là, il est obligé d'abandonner son bouclier, de faire la chevelure. Il vient de se désarmer, là. Il a une seule d'avis, mais il est défendu sur la chance. Mais on n'a pas l'idée. Demain, on va 3 contre 3, nous avons une équipe de fantassins. Un choc plus brutal, un combat plus précis en fait à l'arrière. Nous avons en face donc
l'inverse tactique, nous avons le guerrier, épée, bouclier, un homme aussi. Halt. Parfait. Vous avez vu juste. Un choc avec un homme qui fait le. Voilà. Reculez, reculez, je veux que vous soyez un mètre, personne sur les bancs. Merci, là c'est très bien. Là c'est bien. Et avec les mouvements que la main fait, en fait, ça arrête de pas casser le poignet au temps. J'aimerais que le figure soit gentil. Voilà un beau choc. Ah, bon, on a touché. Pompidou, il se remet. Thank you.